viewers, welcome to this weekend bilingual newscast on Spectrum Television. Our top story, drug abuse on an escalating level amongst young Cameroonians. This explains the leading cause of violence in scholarly level, as Cameroon has been termed a welcome ground to many who consume drugs on an escalating level. What are the impacts of inappropriate mitigation? Is not taken answers in a few minutes. Good evening, viewers. Thanks for watching the weekend bilingual newscast on Spectrum Television. We begin tonight in the French language on drugs with Inès. Good evening, Inès. Bonsoir, Joséphine Binzi. Bonsoir à vous, mesdames et messieurs, et bienvenue. Comme annoncé en titre, consommation de la drogue, les jeunes premiers consommateurs au Cameroun, principalement dans les villes de Douala et de Yaoundé. Les conséquences sont telles que les jeunes s'entretuent dans les établissements scolaires et assassinent même leurs enseignants. L'information est contenue dans un rapport de la Commission nationale des droits de l'homme et des libertés. Mireille Siabje. L'âge scolaire a déjà consommé de la drogue. 10% en sont des consommateurs réguliers, dont 60% des jeunes âgés de 20 à 25 ans. Les jeunes de 15 ans sont concernés par ce fléau, avec une prévalence de 15% plus élevée en milieu scolaire. C'est ce que révèlent les statistiques du Comité national de lutte contre la drogue. L'organe indique également que, non seulement cette consommation de drogue et autres substances psychotropes prend des proportions de plus en plus alarmantes au Cameroun, mais qu'elle est aussi à l'origine de trop de nombreux cas récurrents de violence, tant entre élèves qu'à l'encontre des enseignants en milieu scolaire. Les substances primaires les plus utilisées sont le cannabis, le tramadol, la cocaïne. Le reste est constitué de préparations traditionnelles de fortune. Face à ces différentes données, la Commission des droits de l'homme observe que le Cameroun est un pays de transit de l'héroïne, que le tramadol est la principale drogue de synthèse préoccupante et la plus sollicitée après le cannabis. C'est pourquoi la Commission des droits de l'homme invite le gouvernement et d'autres parties prenantes à promouvoir plus activement l'éducation à la santé et à contribuer à la réinsertion sociale des jeunes. James Mwangé Kobila et son équipe rappellent aux parents et autres personnes chargées des enfants qu'ils sont, en vertu de l'alinéa 1 de l'article 20 de la Charte africaine des droits du bien-être de l'enfant, responsables au premier chef-d'œuvre de l'éducation et de leur épanouissement. Par conséquent, ils doivent les encadrer en leur prodiguant des conseils tout en assurant leur suivi dans le but de les protéger contre l'abus des drogues. Les autorités traditionnelles et religieuses sont elles également concernées, précise le communiqué de la Commission des droits de l'homme du Cameroun. Basic commodities like rice, oil and sugar to encourage Cameroonians to consume goods made in Cameroon. But what are the reasons? Details in the following report. After a delegation led to Yaoundé by the Central African Minister of Trade on May 27, it is the turn of the United Nations Multidimensional Mission for Stabilization in the Central African Republic to step up advocacy with Cameroon. And for a good reason, the country recently suspended the export of certain basic commodities like rice, oil, sugar, milk and more. The Central African Republic has admitted that a large scale of products pass through Cameroon. Apart from the Minister of Trade, the United Nations representative indicated that she would meet the Cameroonian authorities in order to have an answer to her plea. In a correspondence dating April 22, 2022, the Minister of Commerce asked the Governor of the East Region to take immediate measures aimed at suspending until further notice for exports of products such as cement, refined oils, wheat, rice and more. This is following the aggravated shortages observed on the national market. On that note, this would be an attempt to cause food insecurity in Cameroon's neighboring countries. The objective of this decision in Cameroon is to push traders who intend for goods to be sold more expensive on the Central African Republic to the detriment of the local market, causing shortages on a daily basis.
Au cours de cette semaine, le monde entier a commémoré la journée mondiale des veuves, occasion pour nous de mettre en lumière les difficultés de ces femmes-là dont la perte d'un être cher est amplifiée par le combat pour le respect de leurs droits fondamentaux et de leur dignité. Makedali Dignoto. Au Cameroun, les femmes continuent de subir les pires humiliations à la mort de leur époux. C'est le cas d'Esther Bindop, rencontrée à Douala. Veuve depuis 2002, elle a dû faire face aux nombreuses menaces de la part de sa belle-famille, qui voulait entre autres l'expulser du domicile conjugal. Après le décès de mon mari, comme vous connaissez, bon, il y avait les plaintes. Elle a tué. Bon, je loue Dieu parce que j'avais des garçons qui n'ont pas permis que je sois la proie. Ils ont intervenu, chassé même la belle famille, dont le grand frère à leur papa, qui disait que j'ai tué son frère depuis que mon mari est décédé en 2002. Je n'ai jamais vu quelqu'un venir demander que les orphelins que leur frère a laissés ici, comment ils vivent. Son cas n'est pas isolé. Originaire de la région de l'Ouest Cameroun, Hélène Béatrice Sengwo, veuve depuis avril 2008, a également été accusée par sa belle-famille d'avoir assassiné son époux. Malade depuis près de 10 ans, celui-ci travaillait à l'Amicale des Français, mais avait été mis en congé technique, raconte-t-elle. Elle a dû exercer plusieurs petits commerces pour prendre en charge sa famille. Après une rechute, son époux est transporté dans son village pour poursuivre les soins, mais n'a pas pu être guéri. Dès lors, commence son calvaire. Un jour, on m'a appelé, on a dit qu'il est gravement malade. Je me suis levé, je me suis rendu au village. Arrivé au village, il a fait 3 jours, il est mort. Le moment de l'enterrer, comme il était mort le 18 avril 2008, le moment de l'enterrer, on a arrangé, la famille a arrangé son corps et mettre dans mon salon au village. Et puis on m'appelle de venir dire ce qui a tué mon mari. J'ai demandé qu'est-ce que j'ai fait. On dit qu'on ne comprend pas la mort de mon mari, que c'est moi qui lui ai tué. Outre l'accusation d'assassinat, la belle famille veut dépouiller la veuve des biens matériels laissés par son époux. Ils ont voulu couper un terrain, un côté sur le terrain que mon mari m'a laissé pour le donner au fils de l'autre, leur frère. J'ai dit que ça ne peut pas se faire comme ça. Privation, maltraitance, accusation d'assassinat en passant par les rites de veuvage jugés dégradants, les veuves tentent aujourd'hui de faire entendre leur voix malgré les barrières culturelles. À Douala, l'association des veuves solidaires pour l'arrondissement de Douala 5e compte aujourd'hui près de 700 membres. Soutenue par la mairie de la ville, elle a permis à plusieurs veuves de suivre des formations dans la fabrication de différents produits. De même, l'association a aidé une dizaine de ses membres à entrer en possession de leur pension après le décès de leur époux. Au jour d'aujourd'hui, vous avez les veuves qui sont encore marginalisées, qui sont battues, qui sont chassées de leur famille de mariage et qui sont renvoyées dans leur famille. Et dans la même foulée, vous avez des veuves qui sont dynamiques, qui sont autonomes, qui savent se prendre en charge et qui savent se défendre. Mais beaucoup reste à faire. Parce que parmi les veuves que j'encadre là, il y en a plus qui habitent dans leur famille maternelle que dans leur famille d'alliance. Donc, parce qu'elles ont été chassées, elles ont été virées de leur maison jusqu'à aujourd'hui. Il y en a certains qui ne touchent même pas encore la pension de leur mari ou alors avoir accès aux biens que leur mari ont laissés. Moi, je suis une veuve avertie. Pour celles qui n'ont pas la possibilité d'avoir la pension de leur mari, j'entre dans le fond du dossier avec mon équipe, avec les membres du bureau. Nous creusons, nous essayons de les accompagner jusqu'à l'administration titulaire. Pour vous dire, aujourd'hui, nous avons déjà accompagné une dizaine de veuves qui, il n'y a pas quelques années, elles ne croyaient pas avoir accès aux biens que leurs maris ont laissés. Et pourtant, il existe des textes nationaux et internationaux ratifiés par le Cameroun, à l'instar du protocole à la Charte africaine des droits de l'homme et des peuples relatifs aux droits des femmes, qui stipule par exemple en son article 21 que la veuve a droit à une part équitable dans l'héritage des biens de son conjoint. Quel que soit le régime matrimonial, la veuve a le droit de continuer d'habiter dans le domicile conjugal, précise le texte. Pour le gouvernement, le problème n'est pas au niveau des lois, mais des communautés.
qui protègent et défendent les veuves. Mais le problème n'est pas au niveau de ces mesures. Le problème est au niveau des communautés traditionnelles, des familles qui continuent à perpétuer des pratiques déshumanisantes. Qu'est-ce qu'on entend par pratique déshumanisante dans ce cas d'espèce? C'est le fait déjà d'accuser, de stigmatiser la veuve. Chaque fois qu'un époux meurt, le premier doigt accusateur est pointé vers son épouse. On a l'impression que la communauté font tout pour fragiliser la femme dès que l'époux, le mari, son protecteur n'est plus là. C'est une discrimination. Parce que quand la femme meurt, le veuf ne subit pas les mêmes rites dits traditionnels. Quoi qu'il en soit, la veuve peut recourir aux dispositions légales pour que ses droits soient respectés. Et que prévoit la loi pour la protection des veuves au Cameroun? La question est posée à Sylvie Ekobé. La journaliste explique qu'en plus du code civil, le Cameroun a ratifié plusieurs textes ayant pour but la protection de ces femmes-là. Je vous propose d'écouter Sylvie Ekobé. Elle s'exprime au micro de Makeda Lidignoto. En dehors de nos textes nationaux, ici, qui sont le code civil, l'ordonnance de 1981, à son article 77, le code civil à son article 750, il faut dire que le Cameroun a ratifié un ensemble de traités, protocoles d'accord qui visent à protéger les droits de la veuve. On peut voir le protocole de Maputo, on peut également voir le protocole pour l'élimination de toute forme de discrimination à l'égard des femmes, qui sont un ensemble d'arsenal qui ont été ratifiés par le Cameroun, qui vise à protéger les droits des veuves, parce qu'on sait que dans notre société, les droits des veuves sont marginalisés, les veuves sont marginalisées. Vous allez constater, dans la majorité des familles, lorsque le mari décédait, les veuves étaient expulsées du domicile conjugal. Donc on a voulu donc protéger ces veuves de toutes les exactions qu'elles pouvaient subir, aussi bien par la belle-famille, aussi bien par la société. C'est la raison pour laquelle on a voulu protéger leurs droits. On sait désormais que la veuve a un droit d'usufruit qui est prévu ici par le code civil à son article 750 sur les biens de la propriété, sur le patrimoine qu'elle a construit avec son mari. Elle a un droit d'usufruit. En dehors du droit d'usufruit, elle a le droit, elle peut solliciter la liquidation de la communauté qu'elle a construite avec son mari. En dehors de cela, il faut dire qu'elle a un quart des biens lorsqu'il y a en présence des enfants. Et maintenant, elle a le droit trois quarts des biens en présence des ascendants. Lorsque les ascendants, ça veut dire que son époux a laissé des pères et mères, elle a le trois quarts des biens. Et lorsque maintenant, en absence d'enfants, en absence d'ascendants, ici l'épouse a la totalité des biens. Donc il est important aujourd'hui que lorsque on fait face à une situation difficile, qu'on n'arrive pas à trouver une solution sur le plan juridique, il faut directement se rendre auprès d'un cabinet d'avocats aguerri qui va vous accompagner pour pouvoir protéger vos droits, protéger vos biens. C'est très important. En santé, une campagne de vaccination nationale contre la poliomyélite sera organisée au Cameroun les 1er, le 2 et le 3 juillet prochain. Dans la région du littoral, la cible, c'est près de 600 enfants âgés de 0 à 59 mois. Il s'agit pour le programme élargi de vaccination dans la région du littoral d'atteindre l'objectif de 100% pour rattraper le gap de la campagne de vaccination menée en juin dernier. Je vous propose d'écouter le responsable du programme élargi de vaccination pour la région du littoral, le Léonard Ewane. L'objectif du rang 2 qui va se dérouler du 1er au 3 juillet, c'est de pouvoir renforcer l'immunité collective des enfants âgés de 0 à 59 mois, donc les enfants de moins de 5 ans. Il faut dire que pour pouvoir atteindre cet objectif principal, il est important d'informer au moins 95% des parents avant le passage des équipes de vaccination. On doit pouvoir vacciner 100% des enfants âgés de 0 à 59 mois
en administrant 2 doses du vaccin polio oral à chaque enfant. On doit également, au cours de cette campagne, pouvoir renforcer la recherche active de tous les cas de maladies évitables par la vaccination, les principales maladies évitables par la vaccination. Et aussi, il va falloir, au cours de cette campagne, recenser tous les enfants âgés de 0 à 3 mois qui n'ont pas date de naissance. En ce qui concerne les stratégies de mise en œuvre, la première stratégie, et qui est bien porteuse, c'est la stratégie porte-à-porte. On aura aussi la stratégie fixe au niveau des formations sanitaires. On aura les stratégies fixes temporaires. Ça peut être au niveau des chefferies, au niveau des églises, au niveau des marchés, pratiquement dans tous les lieux au sein de la communauté où il y a brassage des populations. On pourra également avoir quelques stratégies spéciales au niveau de certains endroits. Le message clé ici, c'est de faire un plaidoyer à l'endroit des parents, de pouvoir réserver un bon accueil aux équipes de vaccination qui vont sillonner de ménage à ménage, et aussi de pouvoir amener les enfants qui n'ont pas achevé leur calendrier de vaccination en routine au niveau de la formation sanitaire la plus proche. Et il faut également dire que les parents doivent toujours réserver cet accueil au niveau des équipes des mobilisateurs qui vont, hormis le fait de marquer les ménages, aussi demander les informations concernant les enfants qui n'ont pas date de naissance. And let's flip over to our magazine and talk palm oil and its extraction. It is widely consumed in our local homes in mills such as Eru and Ekwang. But how is palm oil extracted from its nuts? Let's find out in the following report. Over the past few years, the global demand for palm oil has significantly increased and gained a notable market share against other less accessible vegetable oils. The same trend is observed in Cameroon, a net importer of palm oil. Extracting oil from palm kernel has to be done with care and often carried out in mills. The first step to consider in this process is harvesting the kernel fruit from the plantation. The fresh fruit bunch consists of spikelets growing on the main stem. Sterilization or cooking with use of high temperature is necessary as the heat helps to solidify proteins. Fruit cooking weakens the pulp structure, softening it and making it easier to detach fibrous material and contents during the digestion process. During this period, it is important to ensure evacuation of air from sterilization, as air stands as a barrier to the oil oxidization process. After sterilizing or cooking, the seeds are now ready for extraction, as a machine called a digester is needed for this process. The digester, commonly used, consists of a steam-heated cylindrical vessel fitted with a central rotating shaft, as it helps in pounding the fruit. Now, the first part of oil is ready. After the batch processing in the machine, whereby oil is extracted from the fruit, the next process is clarification. Clarification is to separate oil from its entrained impurities. In this process, palm oil, water, cell debris, fibrous material, and non-oily solids are present. Thus, hot water is therefore added to the press output mixture to thin it. The dilution provides a barrier, causing the heavy solids to fall down to the bottom of the container, while lighter oil droplets flow through the watery mixture on top. When this is completed, the results are jaw-dropping, as the oil is completely purified and ready for packaging or for the market. If planned carefully, the development of palm oil can lead to strong economic development and reduce poverty in Cameroon.
There is therefore a need for the government of Cameroon and relevant stakeholders to develop a national palm oil strategy that can steer the rapid development of the sector to expand production for Cameroon's sustainable development goals. And to our international page, President Joe Biden proposed Indo-Pacific economic frame with key Asian nations signals a new approach for U.S. trade policy in the region. Details with the VOA. Before the 2016 presidential election, Illinois farmer Brian Duncan was hopeful that the Trans-Pacific Partnership, or TPP, trade agreement between the United States and many nations ringing the Pacific would boost demand for his crops and his hogs. I mean, pork is very much in demand in the Asian countries, the Pacific Rim, and was really looking forward to what opportunities could come for pork sales to that part of the world. But support for the TPP eroded in the United States amid claims by critics that it would disadvantage American manufacturing. Thanks to our tariffs and tough trade policies. When Republican Donald Trump, a fierce critic of the accord, became president in 2016, hopes of launching the TPP ended. Part of TPP's role was to counter the China's growing economic influence and position the United States to be a positive force in that region. Those countries have gone ahead without us. When we pulled out of TPP, we really abdicated our leadership and created a huge vacuum. Former U.S. Senator from Montana Max Baucus, now a co-chairman of the Farmers for Free Trade Advocacy Group, spoke at a recent online meeting about the Biden administration's efforts to re-engage with Asian nations on trade. It's also important to establish an economic counterweight to China. That's important. That was the whole point of TPP. We have been strongly encouraging the Biden administration to do more in terms of building true market access. The Illinois Farm Bureau's Mark Gebhardts says President Joe Biden's Indo-Pacific Economic Framework for Prosperity, or IPEF, announced in May, is a step in the right direction. It would deepen economic ties between the United States and 12 Asian countries, Australia, Brunei, India, Indonesia, Japan, South Korea, Malaysia, New Zealand, the Philippines, Singapore, Thailand, and Vietnam. The benefit for us is to increase the market access in extremely important countries which are very willing, very interested in our agricultural products. So for our farmers, for our members, there is a direct benefit here. Gebhardts wants negotiations to yield results. We want to encourage the Biden administration to actually get to that issue of market access. It's great to talk. Again, it's a first step, but we really feel that we need more actual trade agreements put in place, especially in light of the Ukrainian conflict and all the things that are happening in the world today. Something's better than nothing. That's where I'm at with it. The White House says the 12 nations in the framework account for about 40% of global GDP. 60% of the world's population is going to be is in those Indo-Pacific countries, and that's going to be a growing population. For now, farmer Brian Duncan is hopeful that a successor to the failed Trans-Pacific Partnership will come about. I think there's hope again and realization of the importance of international trade. Kane Fairbaugh, VOA News, Polo, Illinois. On tonight's edition of the news, thank you, good night and happy weekend. Good night to Inès. Bonsoir, Josephine Binzi. Bonsoir à vous, mesdames et messieurs. Merci d'avoir été dans notre bon week-end.